Salut à tous et à tous, c'est Sylvos et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode numéro 13 de Crash Bandicoot 3 Wart. Et donc, bah comme le précédent épisode, il a plutôt bien fonctionné vu que j'ai atteint les 66% du jeu. Bah ce serait bien si dans cet épisode on jouerait aussi bien. Et donc on va récupérer quelques petites gemmes. Donc oui, le prochain épisode spécial contre la montre, qui sera basé sur le monde 3, je veux dire, bah ce sera pour l'épisode 15, je dirais. Parce que même dans le prochain épisode, je pense que je vais récupérer encore quelques gemmes grises. Histoire qu'on galère pas trop vers la fin, parce que oui, les gemmes grises, c'est vraiment ce qui demande le plus de temps, je dirais. Bon, sinon pour cet épisode, ce que je voulais vous dire, c'est parce qu'il risque d'y avoir quelques pics de lag. Pourquoi? Parce que mon Fraps, bah, il a commencé à bugger depuis... depuis le dernier épisode, et je sais pas pourquoi, mais il y a certains moments il peut y avoir un ralentissement dans les mouvements de Crash, donc vous m'en excuserez si ça gêne certaines personnes. Je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Allez, voilà. Je me suis dit déjà on va faire celle-là de gemme de couleur parce que généralement je la réussis bien, mais comme sur généralement sur l'émulateur EPSXE. Je la rate souvent, du moins je rate souvent ce que je dis que je vais réussir du premier coup. Bah je vais rien dire. Bah tiens, déjà j'ai déjà perdu un masque. Si j'avais pas eu mes masques, je serais mort. Bon, on va essayer de quand même conserver le dernier masque. Du moins ce qu'il en reste. Voilà. Oula. Faut pas faire les foufous. Voilà. Je me concentre juste au moins pour celle-là. Parce qu'il y a un passage qui est assez assez hard. Vous allez voir dans quelques instants. Non, c'est pas celui-là. Même si celui-là il peut paraître un peu chaud. Voilà, c'est ça. Attends, je vais juste l'éliminer lui parce qu'il risque de me faire chier. Ouf! C'est passé. Oh, c'est passé! Oh, j'avais peur! Heureusement, j'ai fait une tornade dans l'air. Phew. Bon, on va pas se faire chier pour eux. Voilà. Tac. Bon, d'accord. Ça commence bien. Et ça va se terminer mal. Voilà. Là, je crois que c'est la dernière. Normalement, il n'y a plus de piège. Ah! La voilà, la fameuse gemme. Yata! Ça fait notre 26e! Ah. 26 gemmes pour le moment qu'on a dans ce jeu. En sachant qu'il y en a 45 au total, si je me souviens bien, bah. On a déjà plus de la moitié, donc c'est génial! Parfait! Bon, j'ai déjà un petit aperçu de ce que je veux comme gemme dans cet épisode, parce que j'ai regardé ça juste avant. Donc j'aimerais bien voir ces deux gemmes grises là. En une seule fois. C'est faisable. Hein. C'est juste qu'il faut pas que je merde. Donc, pour celle-ci, il faut que je récupère donc toutes les caisses, mais aussi la gemme cachée. Bon. Il y a juste un passage qu'il faut pas faire le con, sinon bah vous pouvez pas avoir les deux gemmes d'un coup. Hop, hop, hop. Allez, voilà. Tac. Oh là là. Celui-là, j'ai trop envie de le faire ce niveau en contre-la-montre, parce que je sens que je vais faire un bon temps. Je le sens trop. Je suis pressé de le faire, lui. Enfin, il y a certains passages, tout comme celui-là, regardez. Hop là. On passe juste derrière, et c'est réglé. Allez, j'ai pas envie de perdre de temps, j'aimerais bien que cet épisode ne fasse pas plus de 20 minutes. Même si je pense qu'il va obligatoirement faire plus de 20. Oh merde. Bon, tant pis. Juste casser ça. Casser ça aussi. Voilà. Parfait. Ouf, pour le moment, la première partie est passée. La seconde. Dès que j'ai un checkpoint, déjà je serais heureux. Et un masque aussi. Ce serait bien si j'avais un masque. Il n'y a pas de monstre. Est-ce qu'on fait celui-là?
Oh là là. Non. C'était chaud. On va quand même faire exploser cette là. Donc, en fait, quand vous voulez avoir les deux caisses, vous laissez absolument celle-là. Vous laissez cette TNT ici, vous y touchez pas. Parce que vous allez comprendre juste après pourquoi on en a besoin. Là. Ouh là, je suis tombé. Des fois, je me fais peur parce que je me dis, putain, si je perds, faut que je recommence tout le niveau. Parce que récemment, je joue au Crash Bandicoot premier du nom sur ma PSP. Et en fait, le truc qui est salaud dans Crash Bandicoot premier du nom sur PlayStation, bien entendu, c'est que dès que vous perdez à un moment du niveau, bah toutes les caisses que vous avez récupérées juste avant, bah faut aller les rechercher. Donc si vous avez utilisé un checkpoint, bah c'est un peu la merde parce que vous devez faire le niveau à l'envers. Et c'est ce qui est un peu salaud et qu'ils ont pas voulu reproduire dans les deux autres sur PlayStation. D'ailleurs, je les remercie parce que sinon ce serait bien la merde. Le nombre de fois où je suis mort. C'est juste dommage, je dirais, que dans que Crash, ils l'ont en quelque sorte un peu tué hein, au fil du temps. Maintenant, Crash, c'est devenu un peu comme Spyro. Enfin, je sais pas si vous partagez mon avis, mais je dirais que Spyro, il avait un très bon avenir, on peut pas se le cacher. Hein. Il a très bien marché sur PlayStation 1. D'ailleurs, les meilleurs Spyro, beaucoup de joueurs de Spyro vous diront que les meilleurs étaient sur PlayStation 1. Ceux sur DS et compagnie, ceux sur Wii, ils étaient moyens, mais ils étaient pas bons. Voilà quoi. Et puis là, ils l'ont carrément assassiné, Spyro, avec Skylander. C'est même plus un Spyro, c'est un Bulldog, faut le reconnaître. Pareil pour Crash, avec Of the Titan, Of the Mutant. C'était. C'est Berk. Alors attendez une seconde, ce passage il est un peu chiant. Faut pas que je merde. Hop là. Voilà, parfait. Aujourd'hui, je vais pas crever, vous savez pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Et donc, je ne permettrai pas qu'un monstre vienne entraver mon épisode. Celui-là, j'ai pas envie de mourir. 17 ans, ça se fête sans aucun fail. Voilà. Donc. Pour le moment, on en est à 71 quêtes sur 87. Voilà pourquoi, eh ben, je n'ai pas pu casser les caisses juste là, la caisse juste là. Et il y en a juste avant aussi. Alors, attendez, on va pas crever. Doucement. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de lag, donc c'est bien. Parfait, j'ai eu la caisse. J'ai pas envie de me faire, même si ça semble facile, j'ai pas envie de me compliquer la tâche. 75 caisses. Parfait. J'ai pas regardé le temps de vidéo, mais j'espère que ça dépassera pas les 30 minutes. Normalement, ça devrait être assez rapide si je les réussis tous sans aucun fail. Parce que la dernière fois, je vous rappelle, j'ai fait Dynamite, qui s'est très bien passé, vu que j'ai récupéré une platine aussi. Voilà. Voilà pourquoi j'ai cette TNT, parce que la TNT est la seule à pouvoir casser les caisses juste en dessous. Même si vous faites cette attaque-là, ça ne les cassera pas. Donc, voilà. Déjà, je me dis que j'ai fait le plus compliqué. Ce serait bien maintenant si je trouvais un checkpoint, parce que sinon, je suis pas dans la merde. Si je perds, je peux tout vous dire que je vais bien rager. Faut que je trouve un checkpoint avant de crever. Je veux bien crever, mais sans, je veux un checkpoint avant. Oula. 81 sur 87, parfait. Checkpoint, s'il vous plaît, un checkpoint. Je veux juste pas mourir. Il n'y a même pas de checkpoint. J'ai 87 sur 87, si je meurs, je suis dans la merde. Oh putain, s'il vous plaît, que je meurs pas, s'il vous plaît. Oui. Bordel, ça passe. Parfait.
C'est génial. Voilà, pourquoi on fait pas des crashs comme ça maintenant? Pourquoi on en refait plus? Je suis sûr que ça marcherait bien. Je sais pas, quand Naughty Dog a inséré ce truc avec les platines, les reliques et les contre-la-montre, moi je trouve ça super bien marché, hein. Il y a beaucoup de joueurs de Crash qui vous diront que leur préféré c'était sûrement le troisième, le deuxième ou le premier, hein. Les trois premiers Crash de toute manière, ce sont les meilleurs, il n'y a pas à dire. Alors attendez, là j'ai tout fini. Oui, donc pour tout vous dire, hein, j'ai récupéré toutes les gemmes du monde 1, 2 et 3, donc maintenant il reste plus que les deux derniers mondes, là où je peux récupérer des gemmes. Donc je pense qu'on va se faire Dynamite. Merde, c'est pas ici Dynamite. C'est où? Ah bah non, je suis con. Dynamite, c'est dans le troisième monde. Je n'ai rien dit. En fait, j'ai juste oublié de récupérer les deux gemmes de ce niveau. Mais je pense que je vais en récupérer qu'une seule. Parce que il y en a une qui est assez compliquée. Alors, tac, déjà on va récupérer. Ça serait bien s'il pouvait y avoir quelques masques, parce que je sais que le niveau secret, il est chaud. Mais pas qu'un peu, il est très chaud. Il y a du nitro, je crois qu'il y a des vapeurs aussi. Et personnellement, ça me fait un peu flipper, pour tout vous dire. Bon, on va bien voir comment ça va se passer. Allez, go, 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 vite, 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 vite. On va essayer de faire ça rapidos. Bon, toi, tu me fais flipper, là, dans l'eau. Voilà, déjà, ça s'est fait. Oula, pic de l'œil. Toi aussi, tu me fais peur. Ta gueule. Là. Toi aussi. Ta gueule. Non, je vais plus me faire chier. On va essayer de faire un niveau où je meurs pas. Ce sera beau. Ah oui, je sais que quand on obtient la gemme dans ce... Par contre, la gemme cachée dans ce jeu, hein, vous serez quand même obligé de faire la fin du niveau en question. Bon, allez, c'est parti. Concentration. Voilà. Oh là 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 là. Gemme, encore. Putain, je sais même pas du tout où est-ce qu'elles se trouvent, les nitros et les vapeurs en question, s'il y en a. Oh là, oh là, oh là. Oh yes. Oh, c'est tout. Oh, j'ai cru qu'il y en avait plus que ça. Ah bah ça va en fait, j'ai rien dit les cocos, ça. Ça s'est plutôt passé frais crème. Ah bah c'est génial. J'ai plus qu'à bien gérer maintenant celui-là. J'espère juste que ça va mieux se passer. Je crois que... C'est aussi compliqué là quand même. Je sais plus si c'est plus compliqué ou si c'est moins plus facile. Ah non, je déteste les trucs avec les vapeurs, je déteste. Je déteste ces vapeurs. Ah bah non, ça va. Parfait. Bon bah ça nous fait 3 gemmes. Je suis content, ça se passe bien. Je pourrais presque pleurer. C'est mon anniversaire et Crash me fait plaisir. Donc normalement on en est à 69... Non, 70%. Oh bah c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'autre? Je pensais à faire quelque chose peut-être ici, fais voir. Non. Non. Future Frenzy, on peut pas l'avoir la gemme parce que la gemme cachée ce sera dans un niveau qu'on débloque en obtenant un certain nombre de reliques. Donc non, je peux pas le faire. Lui non plus. Flying Passion à la rigueur. Bon allez, on va se faire Flaming Passion et après je pense qu'on va se quitter là. Ça fera déjà un bon gros épisode. Je sais pas si ça aura fait 20 minutes ou un peu plus. Mais au moins, j'aurais fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire
avoir les 70% avant de partir en vacances. Parfait. Alors, tac. Donc juste petite information pour ceux qui seraient intéressés pour mon let's play avec Kaisoul sur Crash Bash. Il y a un petit problème au niveau de la connexion pour être à deux, parce que oui, je vous rappelle que moi et Kaisoul, on habite pas au même endroit, bordel. Je suis mort. Tant pis. Bref. Kaisoul, lui, il est à La Réunion et moi, je suis en France. Et du coup, c'est ça qui pose problème. Du coup, je pense qu'on va du coup essayer de faire avec Amashi. Ou bien, je vais essayer de régler le problème sur Rome Station. Parce qu'en fait, c'est un problème de multijoueur sur Rome Station. Lui, ça marche bien, mais chez moi, ça marche pas. PC de merde, PC de merde. On va l'éliminer là-bas parce que voilà, il fait chier. C'était si bien parti jusqu'à ce que ce putain de singe il me fasse chier. Et voilà. On va l'éliminer lui aussi. Merde, faut pas que j'oublie que ce soit les caisses que j'obtiens. Voilà. Bah alors. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller dans le niveau caché pour récupérer des caisses, parce qu'il n'y en a pas. Mmh. Ouf. Tac. Voilà. Je déteste ce passage. Ceux qui ont vu le précédent épisode le sauront pourquoi. Ce passage aussi, je l'aime pas. Oh ! Espèce de folle voilée, hein. Non mais oh. Non, il n'y a rien de raciste dans ce que je viens de dire, je vous le promets. Voilà. Je suis à combien de caisses ? 37 seulement ? Putain. J'espère que je vais avoir toutes les caisses, hein. J'espère que j'en ai pas raté. Attendez, là j'ai un peu peur, là. J'ai un petit peu peur. Attendez, parce que là je sais qu'il y a le bonus pour obtenir les caisses, mais j'espère que ça va faire l'affaire. Hein. On va voir combien il y en a dans le bonus. On doit récupérer combien de caisses. 28. Ah bah ça peut le faire. Ah oui, ça peut le faire encore, peut-être. Je suis pas sûr. Alors, si je me souviens bien, il me semble qu'ici on va récolter un max de vie. Là-dessus. Ouais, parfait. 3 vies. C'est quand même... c'est pas rien, 3 vies. Généralement, quand vous terminez le jeu à 105%, il y a de fortes chances que vous ayez près de 99 vies, tellement vous faites recommencer les reliques. Et ben, vous accumulez les vies. Hein. Cool. Voilà. Et les deux dernières, normalement. Hier, yeah, 75%. Enfin, 75%. Qu'est-ce que je fais? Shankaji va rire là. Voilà, une gemme en plus. Bon, bon, bon. J'aimerais bien en faire une autre. Non, sérieusement, j'aimerais bien en faire une autre. Même si l'épisode, il va durer peut-être encore un peu plus longtemps. Orange Asphalt, je pourrais faire à la rigueur cette caisse. Elle est enfin, celle-là, elle est rapide. Parce que vu que ça dure qu'une minute, le niveau. Hein. À la rigueur, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Je sais pas où est-ce qu'elles se trouvent, les caisses, mais on va essayer de faire ça. Bon, celui-là je le fais au free run, hein. Vraiment, hein. J'essaie d'obtenir juste les caisses. Je sais pas du tout où est-ce qu'elles se trouvent. Bon, là j'ai de la chance, je sais que c'est ici. Ici on a deux. Je sais qu'il me semble qu'il y avait un passage qui était assez chiant. Pff,
pour en obtenir une. J'espère que je vais pas tomber dessus et galérer. Non. Wow, et ça lag. Ça lag. Je me disais pourquoi je vais si lentement, ça lag. Oh, excusez-moi. Excusez-moi énormément, les gens. Ça rame beaucoup sur le niveau, là. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Et ceux qui jouent à Crash Bandicoot le sauront pourquoi ça va plus vite. Hop là, deux caisses. Il m'en reste plus que 8 à voir. Bordel, ça rame beaucoup. C'est lent. Allez. Putain. Ah, là ça va vite. Oh yeah, s'il te plaît. Fais pas chier. Bon sang. C'est horrible de jouer avec ça. Bordel. Ah, là, je sais qu'il faut que je prenne le speed. Parce que là, il y en a une de caisse. Parfait. Je l'ai eu. Oh. Et la dernière. Voilà. Comme ça au moins là. Oh, bon sang. C'est pas la difficulté du niveau qui était chiante, c'était que ça ramait beaucoup. Je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer la relique sur ce niveau, sans que ça rame. Bon, je verrai bien. Enfin bref, au moins on aura récolté, bah on sera à 72% et on a récolté 31 gemmes sur 43. Bah c'est parfait. Bon bah je pense qu'on va se quitter ici les cocos, hein. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Commentez si vous avez une question, si vous voulez me faire part de votre avis. Et donc je vous dis à la prochaine, bisous bye et bonnes vacances.